Oui, allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour, les cours professeurs et canet. Voilà, Merci, bonjour à vous, bonjour. monsieur. Bonjour. C'est le Burkina Faso? Faso. Vous êtes D'accord. béni depuis le Burkina. Vous êtes béni. Amen. Alors, nous vous écoutons. Quel est votre sujet de prière? Sujet de prière. J'ai un programme de mariage qui a été reporté jusqu'à 5 fois. Et cette fois-ci, c'est programmé pour le 27 du juin. Et Ok. je demande une intervention dans ma prière. Pourquoi ça avait été reporté? La cause du renvoi, du repoussement de votre mariage, c'est quoi? Au début, c'était lié au papier, le dossier. Ah, au dossier. Et après, les parents avaient jugé bon que quand il y a la pandémie, il y a des invités familiales qui devraient être présents, mais ils n'étaient pas là. Allô? Alors, est-ce que votre future épouse a déjà failli se marier avant? Est-ce qu'elle a eu des hommes avec qui elle devrait se marier et ça n'a pas fonctionné? Avec quelqu'un d'autre? Oui. Non. Donc vous êtes le premier homme qu'elle a connu? Hein? Vous êtes le tout premier homme qu'elle connaît de toute sa vie? Il y a un des deux qui l'a quitté, mais les relations n'est pas les bonnes. Est-ce qu'elle est à côté de vous? D'accord, non, et je pense qu'il faut causer avec elle. Elle devrait se marier avec quelqu'un, mais ça n'a pas fonctionné. Vous comprenez? Oui, mais ça c'était avant de vous connaître. Oui, hein? c'était avant de vous c'était connaître. C'était bien avant de vous connaître. Oui, oui. C'est. Hein? Oui. Mais ça ce n'est pas allé au bout. Elle a vu qu'elle n'était pas dans la foi. Oui. Et elle a arrêté cette relation-là. D'accord, maintenant écoutez, ce que je veux vous dire, c'est que il y a un esprit qui suit votre future épouse. Il y a un esprit. Écoutez bien ce que je dis. Il y a un esprit qui la suit, qui fait que quand les hommes la suivent, en fait, un esprit qui est contre le fait qu'elle se marie. Et ça, c'est un esprit qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui connaissent. Ça veut dire qu'ils expérimentent ça. Et Jésus-Christ a expliqué en disant que vous ne pouvez pas posséder la maison d'un homme fort sans avoir vaincu l'homme fort à l'avant. C'est Jésus qui nous enseigne le principe de l'homme fort. Vous comprenez? Maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. La femme que vous voulez épouser, elle a connu une femme qui était comme une amie, qu'on appelait Fanta. Fanta, 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 F-A-N-T-A, Fanta. Comme le Fanta. Vous comprenez? Et cette femme se faisait passer pour son amie, mais en fait, elle était en mission pour enchaîner la vie de votre femme, votre future femme. Elle est venue achever l'œuvre de Satan dans sa vie. Est-ce que vous me comprenez? Donc appelez-la, demandez-lui. Voilà pourquoi j'ai demandé si elle était à côté de vous. Demandez-lui que le prophète de Canaan Ferdinand a dit qu'elle vous raconte ce qui s'est passé avec Fanta. Cette Fanta, oui Fanta, cette Fanta est venue envoûter votre femme et nous voulons prier que Dieu brise cette malédiction. Parce que parfois vous nous appelez, vous posez des problèmes, mais vous ne connaissez pas la véritable origine de votre problème. Vous pensez que c'est une histoire de papier qui a fait que le mariage soit repoussé. Mais si on ne prie pas, même la prochaine date là, il n'y aura pas de mariage. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut prier maintenant. Nous allons prier, mon épouse va prier. On va rompre d'abord cet hôtel là. Même votre future épouse, elle ne connaît pas que Fanta était compliqué. Elle ne savait pas ça. Elle ne sait pas jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce que vous l'appeliez tout à l'heure. C'est pour cela que nous devons nous méfier de qui nous prenons ou qui nous appelons amis. Parce qu'il y a des amis mandatés par le monde des ténèbres pour éteindre nos étoiles. Donc c'est ce qui s'est passé avec votre future épouse. Et cette Fanta a pris ça veut dire que le nom de votre future épouse, elle est partie chez quelqu'un, un marabout qu'on appelle, ou c'est Adjeba. Adjeba. Elle a pris. J'ai dit qu'elle a pris le nom de votre future épouse
Elle est partie chez un marabout qu'on appelle Adjeba. Adjeba. Ok? Adjeba. Maintenant, on va prier. Nous allons prier et le Seigneur va briser cela. Père, au nom de Jésus, nous prions par l'autorité qui est dans ton nom et nous brisons. Nous annulons tout ce que cette femme a fait dans la vie de cette femme. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, toi qui as dénoncé, c'est pour libérer, pour relâcher la paix, la joie. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, que ce mariage se fasse finalement. Amen. Parce que ta bouche a parlé et tu t'en es mêlé. Amen. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est une très bonne femme. Hein? Votre future femme, c'est une très bonne femme. Elle a un très grand cœur. Elle est aimante et on l'aime partout. Mais elle rencontre de mauvaises gens, de mauvaises personnes. Ok, donc, est-ce que vous avez une autre préoccupation? Parce que Burkina Faso, c'est très loin du Cameroun. Donc, nous vous donnons de l'importance. Nous vous aimons beaucoup. Nous aimons vraiment le Burkina Faso. Nous avons toujours été bien accueillis là-bas. Et j'ai des enfants là-bas qui sont des enfants merveilleux. Amen. D'accord. Est-ce que vous avez une autre préoccupation? Oui, ma position qui n'a plus. Oui. J'ai été positionné pour ce mariage. Où j'ai parti? D'accord. Le Seigneur ne travaille jamais à moitié. Parce que s'il libère votre fiancé, tout le reste sera libéré. Vos finances sont libérées. Ça, c'est clair. Parce que quand votre ennemi s'attaque à vous, tout est bloqué, tout est fermé. Le réseau est complètement fermé. Mais quand Dieu vient ouvrir à nouveau le réseau, il étend vos limites au-delà de ce que vous-même vous demandez. J'ai prié en disant ce mariage se fera parce que Dieu s'en est mêlé. Amen. Croyez tout simplement. Et vous verrez la chose s'accomplir. Il est fidèle, notre Dieu. Voilà, que le Seigneur vous bénisse au Burkina Faso, au nom souverain de Jésus-Christ. Shalom. Bon mariage.